Est-ce que tu te souviens donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer du coup dans cette direction. Là, on va faire le tour. En fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de faire le tour de la map, d'accord? Oui. Donc là, on découvre des, on va découvrir des endroits qu'on n'a pas encore vus. Et est-ce que tu te souviens, la grotte, c'était là une des premières où justement c'était safe et tout. Il y avait l'ordinateur au tout début. L'ordinateur. Où on avait. Ouais, et que en fait après il fallait une carte pour ouvrir une porte et t'étais stressé à l'idée de l'ouvrir alors qu'on pouvait pas l'ouvrir. Oui. Voilà, bah, et bien normalement. Non, c'est pas la même. Normalement, non, maintenant c'est cette porte-là. C'est là-bas qu'on doit on va l'ouvrir et il y aura la carte derrière, c'est ça? Bah, alors j'espère que c'est ça, mais en tout cas, on va pouvoir y aller parce qu'on n'y est pas encore allé. Mais j'espère que c'est ça. Mais en tout cas, voilà, donc voilà, c'est un endroit qu'on va pouvoir aussi aller. Voilà, c'est impeccable. Ben voilà. Tu m'as coupé de court, Gabi, c'est incroyable. Oui. voilà. Voilà. Alors, bien sûr, tu peux préciser à tes chers viewers qui t'aiment et qui me détestent que. Ils ont fait de beaux poèmes pour toi. Oui, bah, surtout pour toi d'ailleurs, il y avait un poème que j'ai beaucoup apprécié qui parle de moi, qui veut faire mon inventaire dans quoi déjà? Ta gueule. Ta gueule. Ah oui, dans ton cul, c'est Chope. Ça, oui, voilà. Non, mais il y en a, c'est des foufous, quoi. Vous êtes des foufous. Cela dit. Oh Virginia, oui. Nous suit. Ah. D'ailleurs, j'ai soif. Comment on touffe la. Ah oui, on touffe comme ça l'inventaire. Oh lolo. Ah, alors oui, on n'est plus sur Palworld, c'est terrible. Ah non, mais là, c'est chaud quand tu passes d'un truc à un autre. Ah ouais, c'est. Je suis complètement d'accord pour le coup. Ah. Et du coup, ouais, tu pourras préciser à tes viewers que du coup la mise à jour 1.0 est sortie, je pense, au moment où la vidéo sortira. Yes. Enfin, c'est même sûr, du coup. Oui, bah donc, oui. Donc voilà, sachez que c'est complètement fou et que, en vrai de vrai, là, si vous regardez cet épisode alors que la mise à jour est sortie, c'est vraiment dommage parce qu'en vrai, vous allez rater les ratons laveurs. Mais. Mais sinon, ben, voilà. Après, vous pouvez voir ma vidéo qui est certainement déjà sortie, qui présente les nouveautés de la 1.0. Bah ouais, voilà. C'est l'instant promo. Donc si vous voulez les nouveautés de la 1.0, vous allez sur la chaîne de j'allais dire Nico. De Nico. Ouais, voilà. Nico, là, si tu passes par... Si tu passes Incroyable. Par là. Et si vous... Ouais, je viens de découvrir ça. Mais c'est trop bien, ça. C'est génial. Ça va? Allô? À l'huile. Tu es dans le Kekia? Bah, j'ai entendu un sale petit rat là dans les arbres. Ah, ah Mais il n'y en avait qu'un au départ, là il y en a 12 000. Ils se reproduisent à une vitesse ces trucs, c'est trop chelou. Ah, c'est dingue, mais ils ont de la libido, hein. Ah oh, je l'ai tu mis vois dans la flèche qui vole. Tête là. Il lui faut combien de trucs pour mourir? Quand même, tu fais quoi? Aïe! Mais comment on récupère les flèches? Je sais plus jouer, Gabi. Ah voilà. Incroyable. Oh bien. Oh non. Alors, hein? Oh, il ça te dit quoi? Ça dit quoi? Je te pépon, moi. Ça faisait longtemps. Il a cassé mes flèches. Aussi. Oi, oi, oi. Vas-y. Je suis encore le malin sans ta tête maintenant? Ah, parfait. Ah, mais oui, on est sur le terrain de golf. Oh, putain, tu l'as roulé. Alors, dessus, y a tu plus n'as de encore jamais oh, vu cet vache. Endroit. Bah si, en hiver, on était passé par là, non? Alors pas du tout. Arrête, c'est pas du tout. Là, putain de bouger. On est à l'opposé de la map là. Et alors tout est terrain de golf, hein, ça c'est clair et net. Hein. Mais non. Attends, il y a des trucs là, non? Il y a des batteries. Ah, superbe. Et génial. J'adore comme tu m'attends dans la voiture. Par contre là, il y a des valises. Hop, je te l'ai ouverte. Ah oh, putain, j'ai eu peur, sa mère. Oh, elle avance toute seule, la voiture. La voiture fantôme. Mais attends, mais il y a des trucs à. Ah oui, bah attends, faut qu'on continue en voiture, on va pas se faire chier. De toute façon, je vois que tu m'attends. Je sais plus la touche pour sortir en fait. Ah, c'est la touche G. G. Je vais pas payer maintenant. G. Regarde, c'est une piste d'atterrissage. Putain. Oh, pauvre lapin. Non, j'ai tué. Oui.
Non. Si si. Bah oui, mais bon, il est passé sous mes roues aussi. Ah, je peux le dépecer en même temps que toi, c'est trop bien. Ouais. Il y a un méchant. Ah. Oh putain. Okay. Aïe. C'est ta mère, toi. Wow, tu l'as pas respecté. Bah, y'a qu'à me respecter. Ah putain. Oh, mais c'est pas vrai. Oh, des petits morceaux de cœur, deux fois. Ah. Une plante. Alors, c'était pas là que je voulais t'emmener. Allez, bien. Mais tant mieux. C'est vraiment pas du tout là que je voulais t'emmener. Bon, on va remonter. Hein. Parce que c'est le cul. Ah, regardez Gabi comme elle est à l'aise maintenant. Ah ah. Casse-toi. Ça manque un peu de pâle quand même. Oui, c'est très sans pâle. Ah mais attends. Sans mon gros pâle. Mais attends, c'est où que je veux t'emmener là? Ah, ici. Oh. Oh la vache, je suis fatiguée. Alors là Gabi, ta mission, oh vas-y. Ta mission c'est... Tiens, oh putain, ta mission... elle t'a sauté dessus avec ça, hein. J'attire toutes les femmes, hein. C'est dingue, elles me sautent toutes dessus. Même les plus affreuses. Ouais. Allez, ta mission Gabi, ça va être de trouver un endroit où creuser. Oh non, la dernière fois tu m'as regardé pendant 3 heures à creuser. Ah bah ici. Ah bon bah voilà. Ça régale. Bon, je vais t'aider quand même. Et où est-ce qu'il est? Ah voilà. Oh, tu où est-ce creuses qu'il est le corps. Ouais. Et du coup, c'est une entrée? Ouais. Oui. Allez. 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 Putain, t'as vu cette vitesse d'extraction, ah ouais, là. Extraction. Oh, je vais jouer à Call of Duty ce soir et demain et après-demain. Allez, allez. Arrête. Alors comme ça, t'es en déplacement la semaine prochaine. C'est une blague. Ouais. Ah. Et ta maman, là, c'est bon. Wow. Merde, ça dégage, hein, la racaille. Oh là là. Le même qu'hier. Pardon, pardon, pardon. C'est pas plus dérangeant que ça, mais c'est ton micro, il te donne tous les détails en fait. Mais c'est la qualité. Allez. Je trouve plus ma pelle. Ah, c'est bon. Mais t'es en train de le sucer ou quoi, le truc là, tellement long. Le sucer? J'ai dit le bousculer. Ah. Ah non, non, on est bien d'accord. Oui. Allez, salut. Donc c'est ici qu'on doit aller pour récupérer la carte? C'est la carte. Non. C'est la carte. Non, pas du tout. C'est juste que ben c'est sur le chemin, donc autant y aller, quoi. Oui. Tu t'en es souvenu? Oui. Ah oui. Par contre, s'il y a la carte, c'est vraiment un hasard. C'est et c'est un truc carte. De ouf. On a déjà été ici, ou s'ils se ressemblent tous, les bunkers? Et ben justement, c'est les sites de c'est les bunkers de maintenance. C'est tous les mêmes. Sauf que ben y en a un qui était en travaux, un qui était en bon état, et lui, il est totalement inondé. Bunker de maintenance C. Ouais, ben on l'a déjà découvert. Ah. Tu sais, en fait, normalement, on aurait dû les découvrir dans l'ordre. Ah. Mais comme on est trop fort. Souviens-toi, le maintenant C, il me semble c'était celui au terrain de golf, justement, à l'opposé de la map. Ça a ou non, ou c'est, ça se trouve c'était même le premier qu'on a découvert, en fait, carrément. C'est possible. C'est possible. Putain, j'ai froid. Oh, tu vas être contente. L'arc. Yes, j'adore. Tu sais que je fais du tir à l'arc, en fait. Comment? En vrai, c'est vrai. Comment on enlève? Comment? Je veux pas tirer. Clic droit. Ah, oh, j'ai peur. Pas de panique. Et oui, c'est vrai, j'en fais. Ok. J'ai mon trop petit bien arc à la maison. Mais je fais pas de l'arc à poulie, je préfère les arcs normaux. Parce que. Ok. Voilà. Ok. Je peux plus tirer. T'aimes bien brander. L'arc. L'arc. A-R-C. Ok, je croyais le jeu.
Voilà, bah c'était juste l'arc en fait à récupérer ici, et bien sûr la localisation du site de maintenance, mais comme on est trop fort, et eh ben on l'a déjà découvert. Ouais. Ok. Tu sais qu'on va se faire bannir à force de dire des conneries comme ça. Genre quoi? Genre bander l'arc? Pourquoi se faire bander pour ça? Se faire bannir pour ça? Fox the Fox. Waouh, regarde comme c'est beau. Oh, une source chaude. Un stock est chaud. Oh, mais il y a de la buée, enfin de la buée, de la. Comment on appelle ça? Tu crois que si je saute, je meurs? Bah, si tu sautes dans l'eau, je pense pas, mais faut que t'arrives. Wouah! Oh ah. Tu me vois plus. De toute façon, je suis déjà mais mort, je t'ai même pas vu voler. T'es morte, comment ça? Bah, je suis morte. C'est pas vrai. Bah, si, ça a fait un gros splash. T'es morte? Non, c'est pas vrai. J'ai joué à Call of Duty moi après. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Arrête de me balancer ça. Ah mais ça fait trop peur. T'as acheté un peu de musique. Je te rassurer. Comme ça c'est copyright, tu vas te faire ban, je rigole, c'est pas copyright, t'inquiète. Ça me donne envie d'aller en bar. En bar? Au bar. Ah ouais, au bar. Et voilà, on vient officiellement de faire le tour de la map en vrai de vrai. Gabi, t'as vu, regarde le point vert là. J'ai compris Gabi, t'as vu. Mais non, ouais, t'as mais bien dit Gabi, t'as vu. Mais Gabi, t'as vu, oui. Gabi, voilà. J'ai même pas fait exprès. Voilà. Tu te rends même plus quand tu fais pas plus exprès. Mais je fais pas exprès, mais arrête, je t'ai pas appelé Gabit. Ah si, regarde, tu viens de le faire. Oh putain. Après, les viewers, ils croient, je suis vraiment... tu sais, moi, c'est juste, mais ça s'appelle... Mais ils ont fait de trop beaux poèmes, sauf le premier. Mais voilà. Oui, bah le... Oui. Bah, pff, oui. En fait, je sais pas comment je dois le prendre, celui-là. Bah dans le cul. Bah ouais, exactement. voilà, on arrive en tout cas au niveau de l'imprimante 3D, souviens-toi, la grotte verte et tout, tout yes. Ça... Enfin, la verte, elle est pas grotte. La grotte, elle est pas verte, mais la crotte, elle est. Quoi? Attends. Vas-y, réfléchis. Ah la 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 la. La 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 la. Cet épisode est vachement bien, Gabi. Je sais pas, il respire bien. Regarde ce pont, Gabi, il est trop beau. Bah, en même temps, si tu respirais pas. Bon, ouais. C'est compliqué. Oh, ça on y est, je commence à faire des blagues de merde. On était à côté de ce pont sans l'avoir jamais remarqué, c'est incroyable. Quel pont? Bah là. Ah, putain. Ah. Oh, mais quelle bite! Elle a même pas pris le pont. Oh, Gabite. Allez, viens. Allez, viens, je t'emmène. Ça va, Gabite, tu veux des soins? Oui. Je vais en prendre. Putain, je me saoule. Au secours. Ah, c'est bon. T'es encore en train de pleurer? voilà. Je déteste ça. Putain. Ça, c'est... Elle est vraiment sincère. Vous avez vu, elle simule pas. Je m'attendais pas du tout à ça. Alors, non pas que je l'avais vu depuis tout à l'heure te courir après, mais j'avoue... Mais pourquoi tu l'as pas dit? Je l'ai pas entendu jusqu'au moment où tu me dis « Allez, viens !» Et puis tu l'entends te faire « Ouais !» comme ça, derrière. Parce qu'en fait, j'étais pas sûr. Oh. J'adore. Non, moi non. J'adore faire pleurer les femmes. Ouais, j'ai une malade, d'accord. Ah oui. Mais c'était un cri d'horreur, c'est les genres de cris qui te font mal. Mais pourquoi t'as mal, toi? T'es tombé d'un mètre, là. Oh, t'as eu un petit problème de distance de... De distance, quoi. Hein. J'ai trop peur. Et... Ah là là. Tout pour le contenu. Vous avez vu, Gabi, elle fait du spectacle hein, pour vous. Mmh. Heureusement que je suis pas cardiaque, hein, parce que... Bah, oui. Voilà, je me suis défoulée.
N'empêche, ça one shot, hein, Arcapouli dans la tête direct. Ah, c'est clair. C'est clair, mais oui, c'est clair. Putain, je suis déquée par la caméra parce que là. Oui, c'est vrai. Pourquoi t'as pas mis ta caméra? Parce qu'elle marche pas, cette connasse. Et ouais. Et que j'allais chercher la mienne en point relais et que j'ai la flemme parce que c'est 5 km de chez moi et qu'à pied quand il pleut, non. Ah, il pleut là? Il pleut chez moi. Ah oui, t'habites dans le nord. Ouais. Il fait pas beau chez moi c'est... Le nord, en un exemple là, c'est cette semaine mon exemple. Samedi, il fait pétant de chaud, j'ai laissé ma voiture au soleil, il faisait 27 degrés dans ma voiture. Dimanche, il pleut et il fait 5 degrés. Voilà! Excellent. Et aujourd'hui, il pleut. Oh. Excellent. C'était pas ma première grotte, ça? Exactement. Et ben, j'ai... Et voilà. Ça fait un petit pic d'émotion. Eh ben, ça me fait plaisir. Ah. Tu vas voir, tu vas encore avoir les larmes aux yeux, mais ça va pas être l'émotion après. Non. Donc là, non, t'as vu tout ripop, tu vas pouvoir récupérer. Non, mais c'est safe, regarde, tranquille. Là, tu peux récupérer des flèches pour ton arc, tout, machin. Bon, mais je suis déjà cool. Pleine, là. Tu veux que je fasse quoi? T'es pleine? Chut, shut up. Chut, 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 chut. Je te demande ce que tu viens de dire. Et après? Pleine dans l'inventaire. Et après? Attends, fais une sauvegarde quand même, hein. Sait-on jamais, hein. Oh putain. Hein? Mmh. Mais ça va, t'es prête avec ton arc, là. Tu bandes. Je le bande. Ah oui. Et voilà. Je me pète une barre si on n'a pas la carte. Bah on devrait l'avoir. Après toi. Bah j'espère bien parce que sinon je vois pas comment faire alors que j'ai fait le jeu 3 fois. Hein. Vas-y fais péter. Ah oui c'est bon. Parfait. Hop la lampe de poche. Bah après toi hein. Non 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 c'est bon j'ai déjà eu mon truc d'aujourd'hui c'est bon. Oh bah alors là Gabi, alors là on est dans la merde alors. Regarde, rien, c'est une salle de gym. Par contre, il y a une balle qui fait peur, regarde. Oh, oh. Alors, voilà. T'as vu, y'a rien. Si, y a de la Marie-Jeanne ici. Là. Mais non, c'est des plantes de relaxation, c'est pour dormir, regarde. Ah bah non, c'est du sport. Ils font quoi là, Gabi? Toi, tu t'y connais là en salle de sport là, c'est quoi ça? C'est du yoga. Ah, bah oui, tout simplement. D'accord. Ça n'a rien à voir avec la salle, mais. Ok. Bah après. Ah, si, parce que c'est une zone un peu. Voilà, tu vois. T'as vu, c'est mignon. Y'a des vélos et tout. Par contre, pour l'aération, ça va être un petit peu chiant. Je parle beaucoup quand je suis stressé. Oui, en fait, tu parles beaucoup quand tu sais qu'il va avoir une connerie. Non, attends, viens, on va là-bas d'abord alors. Comme ça, pas de mauvaise surprise. Regarde ce petit flamant rose, viens, viens, on plonge une tête. Ah, elle est... en plus, elle est bonne. Ah, oh, elle est bonne. Hop. Putain, salope. Ça la racaille. Voilà, bon, y'a rien ici à part ça. Allez! Oh, j'irais bien à la piscine, tiens. Tu vas faire beaucoup de choses, toi, aujourd'hui, hein? Ouais, j'allais m'acheter des poissons, un aquarium et tout. Ça va faire trop bien chez moi, avec des LED bleues. Ça va être trop beau. Je vais m'acheter un axolote avec des hippocampes. Ça va être trop beau, c'est non? C'est vrai? Non, en vrai, sérieux, ouais, des hippocampes, ouais. Je sais. Tu vas acheter des hippocampes? Ouais, t'as un énorme magasin à poissons à côté de chez moi et. Et en fait, il fait des bassins sur mesure. Minuscules. Les ouais, les hippocampes, ah. Des hippocampes quand tu mets pas le Z. Ok, non, je voyais ça genre grand moi. Ah monsieur. Voilà, il faut mourir. Non non, mais mes, ça c'est mes flèches en fait. Toi. Oui, ben bah, j'en ai récupéré la mienne quand même. Voilà. En fait, je sais pas où je vise avec ce truc. Côté de la tête. Allez. Ah. Ah mais j'en ai mis deux à côté de sa tête. Casse-toi. Casse-toi. Ok. T'as vu c'est safe, c'est tranquille. Non 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 non. Ah.
l'attaque. Putain. Ah. Putain, mes voisines vont venir me gueuler dessus. T'arrêtes de faire le chiffon qui nettoie là. Ah, excellent. Eh, regarde, y'a un survêtement ici si tu veux un petit. Oh là, c'est qui m'appelle? Ah ouais, carrément. Allô. Allô. Et ça raccroche comme dit. Allô. Allô, Will. Allô. Pour toi, et t'as vu, y'a de la réception dans ce bunker. Allô. Oh putain. Oh putain. Oh. Oh putain. One shot dans la tête. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bouge. Oh. Wouhou. Et préviens-moi, non? Mais je t'ai dit, bouge. Ah oui, bah oui. Impeccable. Oh, des saunas, c'est trop bien, ça. Il est où, mon arc? Où est-ce qu'il est, l'arc? Là. Oh, c'est trop bien, les saunas. Ouais. Viens, on le découpe, coupe. Mais tu l'as pété. Ah, merde. Ah, c'est con. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, derrière toi. Arrête de faire garde la taille. Ouais. Oh, il m'a giclé dessus. Oh. Comme ça, hein. Il y en a un énorme derrière la porte là. Je déteste ça, je le rampais. Ah. Toutes mes flèches qui étaient sur lui, ils sont où? Oh, le sauna, oh, ça donne trop envie. Oh, en plus, j'ai. Je crois que c'est 6 heures de massage là. Oh là 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 là, je les ai pas encore utilisées. Faut que je trouve. La vie est pas difficile pour certains. Hein. Excuse-moi, on me les a offerts. Hein. On se fait plaisir. Hein. Ah ouais, je vois ça. Bon, t'as vu, y a un collègue ici là. Du coup, parce que ça, c'est nos collègues à la base, hein, rappelons-le. Avec une caméra où on peut voir du coup un petit peu de nouvelles séquences. Ouais, bah j'en vois une. Je te laisse regarder. Oh, est-ce qu'il y a un œuf? Oh, j'ai envie de manger un œuf, ça y est. Ah, comment on a. Ah, Nico, bouge de là. Attends avant de faire quoi que ce soit. Pas de problème. Bien joué. Attends, ils sont buggés, j'ai jamais vu ça. Bah voilà. Alors Gabi, c'était le truc le plus effrayant normalement de cet endroit, hein, je te le dis. Hein. Mais ils étaient buggés sur la porte, donc ça a été... Bah ouais. Alors du coup, sur la caméra GoPro, je sais pas si t'as reconnu le mec qui faisait de la chasse. Bah non, j'ai pas eu le temps parce que j'ai vu des affreux trucs là qui... Venez. C'est pas mes affreux trucs, mais vas-y, je te laisse regarder de nouveau la vidéo. Comment tu fais? Ah merde, ouvre l'inventaire et t'as la GoPro à droite, bon. Là au-dessus de ta petite hache. C'est okay. Moi, c'est bon. Parfait. Il se fait cuire un œuf. Celui qui tire. Ouais. Pourquoi on dirait qu'il tire sur Virginia? Ah non. Est-ce que tu te souviens pas d'un mec qui t'a fait un peu du mal dès le début de l'aventure? Ah si. C'est lui? Voilà. Bah ça m'a tout l'air. Tu sais que j'ai pas les réponses en soi, mais regarde sa tête. Trop. T'as alors, vu? Tu ranges. C'est le mec qui nous a fait du mal, donc bizarre de voir. Donc tu commences à comprendre. Bah après, viens, on discute après. On discute après de tout ça. Parce que justement, avec la mise à jour 1.0, c'est super intéressant. Brochure de cirque. Allez, c'est trop long comme animation. Ouais. Bon, on monte en haut, je suppose, on descend par en bas. Bah, on peut monter en bas, mais. Oh, c'est beau. Ouais. Putain, c'est The Piscine, quoi. Et ouais, ça fait rêver, hein. Maman, quand je vais partir en Australie, il y a une clé d'accès tu ici. Tu vas partir en Australie? Je vais partir pendant un an en road trip. C'est vrai? Ouais, mais quand j'aurai fini mon travail. Ouais, ouais. Enfin, dans incroyable. Je finis ma formation, je bosse quelques temps, le temps de me faire des économies, et puis après, hop, je pars un an. Incroyable. Ah, c'est mon rêve, hein.
Ouais. Il faut réaliser ses rêves avant que la vie te prenne. Eh, moi, c'est pas la vie que je... Enfin, alors, regarde. C'est beau, hein. Oh, putain, c'est hardcore. Oh, bah non. Bah, se ravaler la guitare, signe. Ah oui. Bah, c'est une gorge profonde. Alors là, il y a un papier qui dit « Note à tous les employés. Monsieur Puffton désire que toutes nos communications digitales soient imprimées. Ne laissez pas de copie digitale de nos communications sur n'importe quel ordinateur. Hey. » Et en fait, faut tout supprimer, en fait. Et c'est Barbara Puffton. Mais t'es sérieuse, là? Attends. Oh là là, oh là, oh là là, oh là là. Oh là là. Mais ils sont tous morts bizarrement, ici. Ah, vas-y, hey. vas-y, approche-moi, vas-y, vas-y. Non, mais Gabi, mm-hmm. je vais te faire une chanson. Vas-y. T'entends ? Oui, oui. Mais c'est génial, c'est la musique du jeu. Ah bon ? Ouais. Ah oui, oui ! Bah oui. C'est incroyable. Ok. Ah ! Badge de client collecté. Parfait, c'est ça qu'il nous faut. Eh ben voilà, j'espère que c'était ça. Non, je pense que c'est pour ouvrir la porte Night que t'as Club, vu avant. Ouais. Je veux rentrer, moi. Ah ouais, ce serait trop bien. Allez. Mise à jour 1.0. Allez. Là, ici, je pense que c'est pour ça le badge, en fait, Gabi. Ah, on va au nightclub. J'aime pas, je ferme les yeux à chaque fois. Mais il faut pas fermer les yeux. Ah, si, ouvre si. Grand les yeux. Écoute, c'est certaines choses que tu veux pas voir. Hein. Mais j'ai pas sorti ma... Préliminaire. Alors, parce t'as que vu tu commençais sur un thème et je commence à lire préliminary déclaration. Ah oui, d'accord. T'as vu, c'est le testament de Edward Puffton. Ouais, Virginia Edward Puffton. Puffton. J'arrive voilà, pas trop Virginia à lire, Puffton. Mais oui. Eh bien, en gros. Non, mais j'arrive pas à lire parce que c'est trop petit. Oui, oui. Bunker de maintenance B. En fait, on a rien fait dans l'ordre. Bah, justement. Oh putain! Qu'est-ce que t'as? J'avais même pas vu. Donc, tout en bas, c'est écrit qu'en gros, il va donner à Virginia Puffton. Donc, Virginia, tu sais, on la connaît maintenant. Mm-hmm. Il va donner à Virginia. Enfin, il va donner à celui qui trouve Virginia Puffton en vie. Il va donner 794 milliards de 515 milliards de millions de trillions de tout ça, ouais, tu vois d'accord. Ce que je veux dire? Incroyable! Bah, de toute façon, on est con parce qu'il est mort. Donc ça changera rien du tout. Même avec une prochaine mise à jour, ça changera rien du tout. On s'est fait niquer la gueule. Oui. Allez. T'as les vulgaires, Mkolo, c'est chiant. Par contre. Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce qu'il y a ? Bah j'essaye de reprendre des forces. Mon personnage est extrêmement fatigué comme d'habitude. Hey. Oh, la porte elle est ouverte maintenant. Je l'ai ouverte. Ah, j'ai peur. Ah ! Je t'avais pas vu. Ah, pourtant, il est bien blanc. Oui, bah... Oh. Hop, petit couteau dans les fesses, ça régale. Lui il est mort en position fétale. Eh bien, c'est ce qu'il faut. C'est bon là, tu te calmes. Oh, il y a des pops. Mais t'as vu qu'ils ont. Là, ça permet de voir qu'ils se sont donc tous transformés, que c'était des humains et qu'ils ont souffert, quoi. Ça sent pas les couilles de l'histoire. Je suis en train de lire. Tu te plains que je alors, lis pas. Et vas-y, maintenant, vas-y, dis-moi. Vas-y, c'est écrit quoi alors? Hi, Doris. Liste, family, voilà, arrivé. C'est Barbara qui a écrit ça d'ailleurs. Mais j'arrive pas à la lire de toute façon, elle écrit mal. Bah oui, mais c'est une vieille, hein. Enfin, c'était une vieille. Mais en gros, c'est pour dire que la famille est arrivée, quoi. Mais ouais, on sait pas c'est qui compris, bah, Doris. C'est Doris, c'est certainement le mec qui nous a frappé. Le mec, tu sais, avec son truc brillant, là, sur lui, là.
Y'a moyen. Son truc brillant. Son haut brillant, tu veux dire. Ah ouais. Son haut brillant, ouais. Enfin, tu m'as compris, j'espère. Oh. Ça pas que je parle dans le vide. Je t'ai compris. Ok. Oh waouh. Oh waouh, deux coups de pompe et un. Oh, y'a plein de bébés par là, j'ai pas envie de voir ça. Oh, je peux le dépêcher. T'aimes pas les bébés? Non. Pas comme ça, non. Ah. Et quand ça ferme sa bouche aussi. Je les aime mieux quand ils ferment leur bouche. Oh. Mais je parle de ceux-là, hein. Oui, oui, j'ai compris. On dirait ça. Non, non, pas du tout. Mais j'aime bien te mettre dans la sauce. Oh, artefact numéro 2. J'en ai un autre. Waouh. Impeccable. Ça, je l'ai compris. Il y a une autre porte là-bas. Ah attends, attends, attends. Voilà, tu vois ces petits cris horribles là. De cauchemar. Oh, c'est mignon. Mais non, c'est mignon. Oh, trop bien. Moi aussi, je veux. Oh, oh, oh. Voilà, voilà. Oh. Ah. Ça régale ou quoi? Oh, mais. Depuis quand les tronçonneuses sont électriques? Tu te fous de ma gueule? Quoi? Y'a des tronçonneuses électriques? T'as des tronçonneuses à câble électrique, t'as des tronçonneuses à batterie électrique et t'as des tronçonneuses thermiques. Mm-hmm. Tu savais pas? Bah écoute, moi je suis toujours sur la voiture thermique. Ouais, mais là on parle de tronçonneuse quoi. J'ai très soif, j'ai très faim, j'ai mangé des cracottes. Cracotte là ! Cracotte, ça craque ou quoi ? Eh, mon personnage est ultra fatigué par contre là. Prends du Red Bull. Ouais, ça fait déjà le troisième que je prends. Bah c'est bien. Bois, bois. Bébé bois, bébé bois, bébé bois. Bébé tu. Où est-ce qu'il est ? Ah là-bas. Attends, je vais utiliser ma tronçonneuse. T'inquiète, t'auras l'occasion d'utiliser. Ça fait peur quand tu dis ça. Oh non, pas dans une autre crotte. J'aime pas les crottes. Les crottes ? J'ai peur les crottes. Pourquoi tu vas pas à droite ? Je sais pas, j'aime bien la gauche. Nage droit dans toi. Nage droit dans toi. Bonjour, je m'appelle Nico. J'ai une maladie qui s'appelle le trouble de la mémoire immédiate. Pourquoi tu dis ça? Juste j'avais envie. Il y a un truc là-bas, un bunker. Ah, on vient de par là, peut-être. On tourne en rond, en fait, non? Ah, c'est bien. En fait, j'hésitais à faire 5 fois le tour pour voir quand est-ce que t'allais remarquer. Après toi. Mais Gabi. Non. Après elle dit elle est fatiguée. Non. Ah ça va. Et voilà. Non, il fait encore trop sombre. Ah voilà. Viens, on rentre, on dort. Ah rentre. Voilà. Putain, j'ai vu tes globes oculaires, c'était affreux, ça m'a fait peur. Ah, moi j'ai cru que c'était mes testicules au début. Stop. Bon, tu fais la tente, t'as plus d'habitude que moi. Ça marche, pas de soucis, c'est parce que tu trouvais pas. Oui. Allez, bonne nuit par terre dans l'eau humide. C'est normal, l'eau c'est humide, c'est le principe. On adore. Une petite sauvegarde et on va voir où c'est qu'on est. Maintenant, ce qui m'emmerde, c'est qu'on a récupéré une carte magnétique, d'accord, mais je crois que c'était pour utiliser là où on l'a utilisé. Donc pas sûr que ça serve pour là où on, dans le dernier épisode où on pouvait pas. Mais bon, ça reste à confirmer. De toute façon, dans tous les cas. Là, on revient vers chez nous, là. Hein. Bah là, on est au plus proche de chez nous, là, d'ailleurs. Je sais pas si t'as remarqué, mais... On a vraiment fait le tour de la map, là, tu vois. Je suis coincé. Ah.
Donc là, on rentre à la base, donc bah, ça, ça régale. Bah, il était temps, parce que la baraque, voilà quoi. La baraque à frites Bah ouais. Oh, d'ailleurs, ils ont ouvert un restaurant ce week-end devant chez moi. Ma. J'ai été testé ce midi. Impeccable. Trop bon. Ça régale. Burger. Oh là 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 là. Ah ouais, d'accord. Mais ça, vraiment, c'est bon, ça. Pile en face de chez moi, tu traverses le pont et c'est juste fou. C'est génial. J'entends ah, c'est génial. Ouais. Putain, je suis déçu. Je pensais que je pouvais glisser avec la luge. Je me suis cru sur Palworld. Pique-nique, douille, c'est toi. Douille. Tu crois qu'on peut glisser dans l'eau avec la pluge? Essaye. Allez. Mais retiens ton ta respiration hein, si jamais tu coules. Ouais. Oh, c'est déjà ça. Ah quand même. Wesh. Ah quand même. Ah ouais. Ah voilà. Quand même. Déçu. Ouais mais ah ouais. Quand même. Ah, je m'attendais pas, j'avoue. J'avoue. Ok, eh bien, salut les amis, c'est Gabi, on est sur Planète Zoo. Tu t'arrêtes quand? Je m'arrête quand? De quoi? Des conneries. Bah, alors, c'est, je sais pas c'est qui fait de la luge sur de l'eau, alors que la luge c'est fait pour faire sur la neige. Hein. Oh non, je me suis pris un rocher. Eh ben, t'as jamais dit que je savais marcher sur l'eau? Tu es Jesus? Yes. Pourquoi ça marche pas, moi, la luge dans l'eau, comme toi, là? Ah si, ça marche. Incroyable. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Hein. Putain, mais c'est pas mal, en vrai. Allez! J'aime pas les poissons, là, dégage. Les petits poissons dans l'eau nage. Les petits poissons... Et t'énerve pas sur ton clavier, ça va aller. Ah, je suis content, Gabi, qu'on ait fait des tyroliennes, hein, parce que là, j'en ai marre. Ah oui, ouais. Oh ouais. Alors, juste un regret, Gabi, je suis déçu, parce que je voulais te montrer une surprise. Souviens-toi, il y a 2-3 épisodes de cela, tu sais, on était au bord de l'eau, et je t'ai dit, regarde, il va se passer une dinguerie, oui, et il s'est jamais rien passé. Oui, bah oui, voilà. Allez, ça régale. C'est bien, Gabi, elle sait comment me faire taire. Quoi? Bah, c'est bien. Bah, tu... Dès le début de l'épisode, je raconte des trucs, je te dis, voilà, et puis tu... Abrèges, frère. Non, c'est pas vrai. Si, si, mais c'est bien, au moins tu vas au bout. C'est pas comme si tu me disais ta gueule. C'est vraiment t'abrèges ce que je dis, quoi. C'est impeccable. Mais... De toute façon, ouais, tout le monde en a marre de m'entendre. Mais non. Wow. Oui. Ah, il y a Kevin. Oh, Kevin, pardon. Touche pas à mon Kevin. Il s'est fait matraque. Oh non. Oh, tu l'as achevé? Mais non, pas Kevin. Kevin. Tu l'as tué. Mais comment ça? Non. Gabi. Kevin. Arrête de rouler. Ta gueule. Mais je voulais le sauver. Je lui vise dans la tête. Comment ça? Ah putain, il était dans la ligne de mire, c'est pour ça. Mais il va revivre, c'est bon. Kevin. Arrête, c'est bon, il va respawn. Oh, la tête dans non, le sable. Non, oh, non, non, mais si. Non, non, mais non, si. Non, bah non, bah non. Mais si, avec bah ta, vieux, ta tête de vieux espagnol, là, si tu veux. Mais non, il veut pas respawn. Mais si, qu'il va respawn. Kevin. Kevin, en plus, c'est une étoile de mer. Attends, bouge pas. Non. Si. C'est une étoile de merde. Une étoile de merde. Putain, comment Kevin, on va faire pour l'étoile de merde. Comment je fais ça là? J'avoue le titre, l'étoile de merde. Kevin, l'étoile de merde. Allez, capture mais d'écran, non. Dégage. Et toi avec ta tête d'espagnol là.
Mais t'es raciste? Mais non, oh putain, quelle vue. Putain, Gabi, on va être... Oh, heureusement, on va pas faire tout un chantier naval, parce que... Là, on a plus d'aide. Hein. Oh, bah voilà, c'était un grand homme. On l'a toujours apprécié, voilà, c'est toujours comme ça, on fait toujours des compliments quand les gens meurent, par contre, quand ils sont en vie, on leur crache dessus. Mais, oh là là... Mais c'est pas grave, on a une tronçonneuse. Oh, viens! Attends, viens, Gabi! Oui, vas-y, je veux tester. Gabi! Kevin! Kevin! Expérience de rat de laboratoire! Je pense pas que ça va marcher en vrai. Mais si. Ça marche que sur les indigènes, mais je pense pas que ça va marcher. Par respect pour Kevin. Oh, mais la position de malade! Ah, dommage. Ah! Dans la tête? Non, ouais, ça marchera pas. Par contre, sur les indigènes, ça marche. Par contre, le bruit, c'est... Aïe, aïe, aïe. Bon. Ah, ça fait mal, en fait. Très mal. Ah, oui. Putain. Tout le monde en commentaire, faites votre plus beau poème sur Kevin et Gabi. Kevin, tu étais... bah non, j'ai pas d'inspi. Quoi? Oh, la vache. Non, c'est Kevin. Oh la vache, c'est dégueulasse. Ça, pour le coup, j'aime bien son autofraise pour ça. Parce que ce que tu peux pas faire dans la vraie vie, tu peux le faire maintenant. Tu Allez, fais juste quoi là, Kevin? Le dernier là. Allez, vas-y, le milieu. Coupe en deux là. Vas-y, les mouettes sont déjà en train de ramasser le corps là. Allez, au moins la moitié du corps là, coupe-le en deux. Oh, c'est dommage, je suis vraiment dégoûtée. Vraiment. Déçue. Bon, moi je t'attends à la fenêtre comme la daronne. La vieille bique du village là. Qu'est-ce qui se passe devant chez moi? Ah, ma mec, c'est quoi ce bruit? Vas-y. Oh, la lumière. On économise. Hier, j'ai livré dans un bled paumé. J'ai fait un peu de bruit avec mon camion. Je peux te dire que toutes les maisons, tout le monde était aux fenêtres. Ah ouais. Par contre, c'est toi qui as fait les fenêtres là? Lesquelles? Eh ben, en haut. Là, celle-là, parce que en fait, ça me stresse. Parce que comme il n'y en a pas une là, et du coup, c'est pas centré. Mais il y en a. Mais. Oui, mais regarde. Regarde, Gabi. Viens là où je suis. Voilà, là, c'est le milieu. Donc une fenêtre ici, d'accord? Je comprends pas. Oh putain. C'est quoi le rapport? Gabi. Bah une fenêtre au milieu, une fenêtre au milieu. Pour que ce soit symétrique, soit tu mets pas de fenêtre là, t'en mets une là et une là. Ou soit t'en mets pas là. Et je et sais là, pas, et t'en mets une je là. Sais plus, t'as qu'à regarder la vidéo. Non mais voilà, c'était juste ça me stressait, je voulais te le dire, Gabi. Voilà. Comme t'es une architecte, je pensais que... J'ai fait un an d'architecture, c'est tout, je suis partie. La vérité en plus. T'as vraiment... Non, mais Gabi, elle a tout fait. Alors elle nous parle de son road trip en Autriche, en Australie. En Australie, mais en fait ce qu'elle nous a pas dit, c'est qu'elle est déjà allée à Dubaï. Hein. Non. Et regarde Gabi, je fais des squats. 2, 3, 4, oh j'en peux plus. Oh. Tu fais du parcours? Ah ouais? Minecraft. Oh, du parcours Minecraft, ça me manque tellement ça. Comment c'était trop marrant de faire ça. Bon, sinon, on fait quoi d'autre d'intéressant? Parce que là, les viewers ils. Bah, je pense que c'est pas mal en vrai, non? Bah, après, en si vrai, tu veux. 55 minutes, ouais. Déjà? Ouais. Ok, bah parce que prochaine fois on pourra voir si maintenant la carte elle est bonne pour aller dans la grotte là-bas parce c'est que... C'est la carte. Si c'est pas bon, bah on va ouais. baiser. Et mais... la prochaine fois, si ça te fait pas chier, bah tu me feras découvrir la 1.0. Bien sûr, pas de soucis. Je te montrerai les ratons laveurs. Ouais. Non mais n'empêche, leur début de vidéo, genre t'as 20 secondes où ils te montrent que des ratons laveurs. Non mais en vrai le trailer est incroyable. C'est vrai, mais t'as des nouveaux monstres et tout, on est d'accord? Mais oui, mais c'est ça, mais justement en fait il te montre avec élégance les nouveautés mais sans trop t'en dire, donc en vrai je trouve ça vraiment chouette. C'est bien. Mais voilà, c'est juste, moi dans tous les cas
je respecterai toujours Sons of the Forest, mais là où je te rejoins, c'est juste qu'en fait, ce qui me fait peur, c'est juste pour une 1.0, c'est s'il n'y a pas énormément de trucs, bah... Ouais. Mais le trailer en dit beaucoup. Ouais. Et je pense que tu vas vraiment kiffer ta race. Bah j'espère. Non mais je dis ça, genre par rapport aux méchants. Oh non, pas de ce sens-là. Tu crois qu'il y aura des nouvelles grottes ou... Franchement... Coup de pelle. Je suis pas sûr. Coup de pelle. En tout cas, ce qui est sûr, quand tu vois le trailer, c'est que le boss final, ce sera pas le même. De l'eau ! De l'eau. Ah, il a plu. Bah oui, c'est vrai. Impeccable. Moi, je remplirai la gourde. Ah. Hop. Non, mais à boire, hein. Il faut boire aussi, c'est important de boire de l'eau. Mais ouais, je disais, tu vois, le boss final que tu as vu dans mon... Enfin, que t'as pas vu du coup, mais non. Que t'as un peu vu quand même. Oui. Bah, ce sera quand même pas lui. Ah. Ça se voit sur le trailer. Mais dans tous les cas, t'es spoil même dans le trailer, tu vois le boss le final. Oui, bah ouais. En fait, ils en montrent trop. Ah, tu veux qu'on traque ? Ouais, on traque. Bah, ils en montrent trop, mais en fait, c'est pas ça. C'est juste que comme moi, je sais la fin où elle est, bah, je sais que ce qu'ils ont montré, c'est la fin. Mais celui qui sait pas, bah, il sait pas. Chin. Chin. Skilt, comment dans on dit, les yeux. Dans les yeux, toujours. Skull. Bon bah écoutez les amis, avant de se quitter, nous sommes en train de nous faire assailler. Oh. Ah ouais. Oh là, bah voilà, allez hop, ça dégage. Massacre. Oh, ça me donne envie de jouer au peupon là sur Call of. Ah bon. Viens, peupon. Hein? Allez. Let's go sur Call of. T'as dit quoi, toi? Eh bien, j'espère que vous avez kiffé cet épisode en tout cas. Répète un peu là, voilà, tu fais mes sacrés alors que tu mets un coup de peupon dans la tête, c'est bon là. Mais ouais, t'es trop forte toi au peupon. Bisous tout le monde, à bientôt. Salut. Salut.